Terre de rugby avec Grenoble Alpes Métropole. Terre de rugby avec Sam C. Sam C, bravo les hommes en bleu. Bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux et bonne santé de la part de tous les joueurs du FCG. Voilà, on espère vite vous retrouver pour ce premier match au Stade des Alpes de 2018 et pour que vous nous souteniez car on a besoin de vous pour gagner. Merci. Bonne année, meilleurs vœux et soutenez-nous, j'espère qu'on va se relever la tête très vite. Voilà, à bientôt. Bonne année, meilleurs vœux, bonne santé et que le meilleur pour l'avenir. Kill the South à Haltels. Bonne année à bonne année. Merci, bravo. Bonne année. Happy New Year. Gelukkige nieuwjaar aan allemaal. Bonne année. Bonne année aux supporters grenoblois et croyez en nous, venez nombreux nous voir et bonne année. Bonne année à tous les grenoblois, à tous les supporters de Grenoble et les grenoblois qui sont même s'ils ne sont pas supporters. Et puis voilà, bah venez nombreux au stade, même s'il fait un peu frais, un peu froid le soir, mais voilà, on a besoin de vous. Bonne année 2018 à tous, on espère que vous allez venir nombreux au match, on a besoin de vous. Et surtout la santé de votre club qui fera votre bonheur. Bonsoir et bienvenue à tous. Et tous nos voeux bien sûr de joie pour cette nouvelle année qui commence bien mal, vous le savez, pour votre équipe, qui semble-t-il a eu la gueule de bois après les fêtes. Alors lui ne connaît pas les excès, toujours dans la mesure. Le juste dosage de passion, de caractère, de sagesse. Hop, notre consultant Guillaume Ménard est là, ça va? Bonsoir Lucille. Bonne année à toi. Bonne année à toi et bonne année à tous. Beaucoup de santé, plein de bonnes choses pour vos familles respectives. Voilà. Eh ben merci beaucoup à toi aussi. On va faire le point ensemble pour la reprise avant de retrouver la configuration normale de notre émission la semaine prochaine avec au programme des victoires, des invités, des portraits, des découvertes. Alors pas facile de proposer tout ça quand le climat est morose, car morose il est. Ce qui fâche, c'est cette baisse de niveau. Ce sont ces valises prises à l'extérieur, dont la dernière, c'est celle de vendredi dernier à Massy. Alors c'était pour la 18e journée de mémoire, 37 à 14, 3 essais marqués du côté de Massy, un seul du côté de Grenoble et surtout 6 pénalités réussies pour Massy. Beaucoup d'indiscipline, Guillaume, beaucoup de déchets. Oui, on est vraiment sur un championnat de Pro D2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait pertinemment, ça vaut pour le rugby dans sa globalité. Dès l'instant où on fait beaucoup de fautes, trop de fautes, on est en incapacité de gagner un match. En dehors de ça, on est passé un peu à travers sur les fondamentaux, que ce soit à travers la mêlée, où on a beaucoup souffert, notamment en première mi-temps, et puis de nombreux ballons perdus en touche. Donc quand on sait que la mêlée et la touche ont les deux lancements de jeu favoris du FCG, bah voilà, on a un peu à la peine en ce début d'année. Hey, bah comme chaque année, j'ai envie de dire, ça ne réussit jamais, en fait, les matchs après les fêtes au FCG. Il y a beaucoup d'équipes qui sont dans ce cas-là. Après, c'est toujours un vrai sujet de savoir comment on remobilise, comment on reconcentre les joueurs sur ce début d'année. Après, c'est plutôt le fruit d'une fin d'année pas si terrible qu'on le veut. Disons en déclin. Un peu en déclin, voilà. Alors, c'est vrai qu'on a démarré vraiment sur les chapeaux de roue avec des victoires à l'extérieur qui nous ont fait du bien. Maintenant, il faudra utiliser. On est un peu à la peine avec quelques blessures. On paye peut-être la préparation physique du début de saison. Donc, c'est pour avoir une meilleure surcompensation aussi sur le reste de la saison. Donc, il faut accepter ce période peut-être de baisse. Ce qui est plus ennuyeux, c'est le nombre de fautes qu'on est capable de faire dans un match. Et en Pro D2, ça ne pardonne pas. Dès l'instant, vous avez un super buteur qui est en face, qui a quasi tout passé. Donc, voilà, il faut être discipliné. C'est en dehors de cette manque de discipline, c'est aussi un manque de confiance en l'autre.
C'est-à-dire que les gens se mettent à la faute parce que, pour sauver la patrouille un petit peu, ou parce qu'ils sont trop individualistes, alors qu'on est vraiment sur un sport collectif, il faut savoir prendre en compte son partenaire, lui faire confiance dans les rapports de défense, de façon à être patiente aussi. Et je pense qu'il y a un peu de précipitation dans cette équipe du FCG aussi, aujourd'hui, parce que quand on a bien démarré la saison, on a volonté de mieux faire et du coup on est un peu impatient et du coup on se précipite. Voilà. Ouais. On va entendre tout à l'heure l'entraîneur Stéphane Glas rebondir justement sur ce que tu dis ici. Je voudrais qu'on voit, qu'on fasse un peu le point pour savoir si vous avez raté ce tout début d'année, si vous étiez en vacances, savoir un petit peu ce qui s'est passé avec donc la victoire de Mont-de-Marsan, la victoire de Montauban. On regarde la... Les résultats sont intéressants quand on prend ne serait-ce que la première équipe là, qui est en haut du tableau, Vannes, qui met 30 points à Solio en Golem. Je ne sais pas s'il n'y a pas une petite erreur dans ce. Il y a des erreurs. Voilà. Il me semble que ce sont les résultats en fait, de la semaine dernière, mais pas avec les bonnes équipes. Donc ce n'est pas la peine de retenir. Pas grave. Voilà. Alors on va voir toujours, on ne sait jamais, les classements, parce que ça, c'est vrai que c'est intéressant. Oui, c'est bon, c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que Grenoble a 11 points de retard sur Montauban, pas tellement sur Mont-de-Marsan-Perpignan, c'est jouable encore. Un mouchoir, l'écart est creusé en revanche avec Colomiers. On l'a dit, l'important c'est de rester dans le haut de tableau pour figurer dans les 5 premiers. Voilà, les 5. Qui sont signes de jouer les matchs de barrage et les phases finales pour espérer pouvoir monter. Mais pour l'instant, il n'y a pas de dégâts. Important, on va dire. C'est plus une question de confiance, quoi. Et puis après, de travail dans la sérénité. On verra dès ce vendredi, soir avec un gros, gros match. Je pense que c'est peut-être un des plus beaux matchs de la saison qu'il y aura au stade. Donc, c'est Nevers. C'est Perpignan, c'est celui-là. Un beau match parce qu'une victoire. C'est un match de préparation pour les gros. Nevers qui tourne bien. Il faut respecter, évidemment. Comme le disent les entraîneurs, il n'y a pas de petite équipe de toute façon dans ce championnat. Surtout c'est qu'à prendre très au sérieux. C'est des équipes qui ont, dès l'instant, elles ont une densité devant, nous pose problème. Voilà. Nevers, c'est typiquement le cas. C'est sûr. Alors, on avait rencontré une équipe conquérante en début d'année qui avait été parfois à la limite, mais finalement, la balance penchait toujours en sa faveur. Ou alors, les Grenoblois échouaient vraiment d'un cheveu. Cette fois, eh bien, ça fait quand même 4 défaites consécutives. 38-8 à Béziers. Auparavant, ça avait fait 30-14 à Aurillac, 42-23 à Perpignan. Donc, jamais moins de 30 points encaissés à l'extérieur depuis le 12 novembre. Qu'est-ce qui se passe, toi, à ton sens, justement, surtout ici, là, à l'extérieur depuis quelques temps? Non, mais voilà, là c'est que des essais d'avant quasi, donc voilà, ça veut dire qu'on subit devant. Et là, ça, on est sur le reculoir, c'est très très difficile de défendre et on y passe énormément d'énergie. Donc voilà, il faut. On l'a vu, nous, on a un peu des absences en ce moment qui font que. Sont un peu préjudiciables. Ouais, on parlait beaucoup des jeunes en ce début d'année aussi, ce collectif, ces jeunes pleins de talent, plein de potentiel aussi, qu'ils démontraient petit à petit, encadrés par les tauliers, on va dire, toujours sérieux. Et puis là, sur ces dernières sorties, notamment à l'extérieur, il y a moins cette verve du début de saison. Ouais, les jeunes talents. Ça s'émousse. Ils ne le perdent pas, le talent, ils l'ont toujours. Après, c'est comment je réitère des performances régulières dans la saison. Et ça, c'est plus dur. Et avec le temps, on se forge un caractère, on se forge une résistance physique. Là, on le voit, vraiment une mobilisation. C'est uniquement des fautes individuelles de défense. Voilà. Par contre, elles sont fatales au club parce que dès l'instant, on franchit ce premier rideau de façon très, très vive et très incisive. Et le jeu se poursuit derrière. Dès l'instant, ils arrivent à jouer debout. Nous, on n'arrive plus à récupérer le coup. Donc, c'est ce premier rideau qu'il faut absolument qu'on arrive à reconstruire. Et je le disais tout à l'heure, c'est savoir faire confiance à son partenaire, à l'interne, à l'externe. Beaucoup communiquer. Le travail de la défense, ce n'est pas uniquement un geste technique. C'est aussi beaucoup de communication, du placement de joueurs. Et ça, c'est malheureusement beaucoup de répétitions. Ça se travaille et ça se travaille. Exactement. Sauf que le seuil de tolérance des supporters a été franchi. Les mammouths, notamment, ont tweeté, demandant vraiment des réactions à cette équipe, exprimant la déception et demandant véritablement une réaction pour ne pas revivre ce qui
qui s'était produit la saison dernière. Alors heureusement, il faut relativiser, les victoires à domicile sont là, les Grenoblois sont toujours invaincus au Stade des Alpes, mais ces victoires sont courtes et laborieuses. Alors je suis allée voir le FCG il y a quelques heures là seulement à l'entraînement. Pas mal de sourires, pas mal de confiance quand même à l'Ediger, dont celui de Stéphane Gla notamment. Et je lui ai demandé comment il analyse cette situation, s'il sent beaucoup de la pression, comment il voit l'avenir. Pas trop inquiétant. Il faut gagner la confiance. D'abord, on est quatrième, ce qui n'est pas non plus... on n'est pas au fond de tableau. Hein. Très peu d'écart avec les autres. Oui, très peu d'écart. Alors, on a la chance aussi que ce week-end, les résultats nous aient arrangés. Mais c'est pareil pour eux. Notre résultat les arrange. Il faut aussi se concentrer sur nous, il ne faut pas regarder que ça. Je pense qu'on peut, évidemment, on peut faire les choses un peu mieux. Hein. On le sait, mais voilà, c'est un championnat difficile, on le sait, il va falloir encore qu'on bataille à la maison, à l'extérieur, c'est pas fini. Il faudra batailler tout le temps, mais ça vaut pour nous, ça vaut pour les autres aussi. Voilà, nous, il faut se concentrer sur nous, faire les choses bien, être relâché, pas se mettre de pression inutile, parce qu'on a déjà la pression, parce qu'on a envie de bien faire, mais pas avoir de pression inutile, et puis voilà. On sait qu'on a un bloc difficile, on sait qu'on a des matchs difficiles qui arrivent, mais il ne faut pas se mettre une pression supplémentaire, il faut essayer de faire les choses au mieux, voilà, sans avoir de regrets. On est quatrième aujourd'hui. Voilà, essayons au moins déjà garder cette position et puis grappiller petit à petit, peut-être une troisième place, une deuxième place. On va essayer d'aller la chercher, mais pour l'instant, il faut... Faut pas paniquer non plus. Tout n'est pas noir. Hein. Tout n'est pas noir. On n'a pas perdu 4 matchs de suite. On n'a pas perdu. Voilà. On gagne à la maison, on perd à l'extérieur. Voilà, on est un peu en dents de scie. On aimerait gagner plus à l'extérieur, mais des équipes qui n'ont pas vraiment envie, elles nous jouent, elles ont envie de faire des bons matchs, elles ont besoin de points aussi. Bien sûr que c'est dur parce qu'on ne ramène rien, on ne ramène pas de points, on passe pas à peu de choses d'une victoire. On sent que voilà, on est un petit peu loin, mais. Les choses, elles peuvent tourner, les choses, elles peuvent aller vite, d'un côté comme de l'autre. Hein. On sait très bien que voilà, il faut essayer de voir la suite en étant positif, mais aussi on sait que peut-être on aura encore beaucoup de mal pendant plusieurs semaines. On le sait, c'est une possibilité parce que c'est un championnat difficile. Mais à nous de faire en sorte de sortir de ça, de ce moment où on sent qu'à l'extérieur on est un peu plus faible. On ne savait pas trop où on allait en début de saison parce que beaucoup de joueurs sont partis, beaucoup de joueurs sont arrivés, beaucoup de jeunes joueurs ont intégré l'équipe. Et on ne savait pas trop où on allait. Finalement, on s'est rendu compte que ça se passait bien et tout le monde, et nous les premiers, peut-être qu'on s'est un peu embourgeoisé en pensant que voilà, on allait tenir la tête du peloton pendant plus longtemps que ça. Mais on se rend compte que c'est difficile, c'est un championnat difficile. Moi, je le connaissais déjà l'année dernière et bon, j'avais prévenu les gars dès le début de saison que c'était un championnat difficile et que tout allait être compliqué. Voilà, on est au creux de l'hiver et on n'est pas vraiment dans la difficulté, mais on se balade pas, quoi, c'est évident. Donc faut aller chercher les points, faut rester vigilant, rester motivé, rester avec un bon état d'esprit. Et puis voilà, pour qu'on fasse tourner, pour qu'on garde déjà cette invincibilité à domicile, et puis surtout qu'on essaie de faire tourner un petit peu les choses à l'extérieur. En tout cas, ce sera à domicile que vous pourrez revoir votre équipe ici pour la première fois en 2018. On le rappelle, c'est face à Nevers au Stade des Alpes à 20h ce vendredi. Une réaction par rapport à tout ce que vient de dire ici Stéphane Gla, c'est moins bien, mais c'est pas terminé, c'est pas si mal au final. C'est-à-dire, il n'y a pas de quoi pleurer. Il joue pleinement son rôle d'entraîneur, c'est-à-dire que je suppose qu'il y a des choses qui sont dites dans le vestiaire ou quand ils sont en aparté, et puis il y a des choses, une sérénité affichée qui est nécessaire pour ne pas déstructurer, déstabiliser cette équipe-là. Du recul à prendre peut-être ? Oui, complètement. Quand vous êtes entraîneur, à la fois vous êtes, il faut être dans l'action finalement pour conseiller, changer de tactique quand il le faut, et puis à la fois il faut savoir prendre un peu ses moments de recul, et ça c'est l'expérience qui fait ça, et Stéphane en a beaucoup. Le volet international qu'on connaît chez lui est aujourd'hui une force. Ou Yona l'an dernier également. C'est une grosse expérience. Il dit, j'avais prévenu les garçons. Voilà, c'est-à-dire que c'est la force tranquille parce que c'est quelqu'un qui boue à l'intérieur. Mais voilà, dans la posture, c'est important de prendre ce recul-là. Oui, alors les supporters, le public attend peut-être aussi un coup de gueule de la part des dirigeants du club, de la part d'un entraîneur, c'est-à-dire montrer un petit peu plus de fermeté, avoir un discours plus ferme. Oui, enfin moi je suis pas dans le vestiaire. Les coups de gueule, ils se font dans le vestiaire, ils se font pas devant les médias. Ça favorise pas
peut-être, je m'interroge, hein, voilà, une prise de conscience collective. Je vais dire quelque chose qui va choquer, mais aujourd'hui, quand vous êtes joueur de rugby pro, quand vous êtes à ce niveau-là, quand vous y avez fait des sacrifices, quand votre famille vit autour de vous, vous jouez pour vous-même, quoi. Vous ne jouez pas pour les supporters. Donc c'est peut-être quelque chose qui va choquer, mais oui, mais les supporters disent on va à l'usine, on paye cher notre place, on donne beaucoup, fait beaucoup de bruit dans les tribunes. C'est l'identité qu'on récupère en venant au stade. Voilà. Ouais. Il faut pas vivre les choses par procuration. La vie est assez courte comme ça. Il y a bien d'autres centres d'intérêt pour vivre les choses pleinement soi-même et pas par procuration. Voilà. Donc c'est bien de finir vibrer avec cette équipe, de prendre les émotions qui sont là quand il y a des victoires, quand il y a des défaites. Quand il y a des gros matchs, quand il y a des blessures, ça fait partie des choses. Aujourd'hui, la préparation mentale de ces joueurs, ce qu'ils ont vécu, leur carrière, fait qu'ils ont pleinement conscience de la situation dans laquelle ils sont. Le reste est parasite, en fait. Et non, c'est qu'il faut savoir, faire abstraction. De la même façon que vous seriez en train de préparer la finale du championnat de France de Pro D2 ou le match de barrage pour la montée, on vous demanderait de faire abstraction, de ne pas lire les médias, de pas les réseaux sociaux qui sont là pour amplifier les choses, mais de vous concentrer sur vous-même. Et la force d'un sportif professionnel, et ça, c'est, on va approcher des JO, donc c'est exactement la même démarche, c'est de savoir de se focaliser sur un objectif et de ne pas se laisser parasiter. Alors, bien sûr qu'il y a des gens qui sont habiles, qui sont capables de tweeter leurs sentiments, leurs réactions, etc., tout en restant concentré sur leurs objectifs. Ouais, ce n'est pas la majorité des sportifs, quand même. Hein. On demande plutôt aux gens de se couper du monde, d'être un peu dans une bulle, de rester entre eux pour ce qui est de la partie sport-co. Moi, je ne sais pas. Je pense que les dirigeants ont dû faire une intervention. Il y a eu les vœux, on est en pleine séance de vœux durant ce mois de janvier. Je suppose que les dirigeants ont apporté leurs vœux aux joueurs et quand même qu'il y a eu quelques consignes de données ou quelques remarques de fait pour sensibiliser cette équipe-là. Donc, penser à soi et donc penser à son collectif, oui. Et c'est tout le monde, hop, c'est tout le monde qui en profitera en tout cas. C'est vraiment ça. Voilà, c'est... exactement. Nous, notre regard extérieur, il peut être qu'attendri et avoir cet espoir ou donner cette ambiance nécessaire qui peut galvaniser les joueurs à un moment donné. Mais le fait d'être critique à un moment donné, voilà, combien de supporters, ou même moi, à mon niveau, je ne remettrai pas le maillot pour faire une seule mêlée qu'on a vue ici, parce que je serai en danger physiquement. Il faut que les gens aient conscience de l'engagement physique. Et en plus, on est vraiment dans le cœur de l'actualité avec le dernier match Clermont-Ferrand, ASM Metro Racing, et ce gros chaos de ce jeune joueur. Ayons conscience qu'il y a des enjeux physiques, cérébraux, on va aller jusque-là avec les commotions cérébrales. Voilà, les gens jouent par procuration. Dans 10 ans, ces joueurs qu'on a là, ou 20 ans, les supporters n'y penseront plus, ou moins. Voilà. Et si cette personne-là est en fauteuil roulant parce que est malheureusement atteint une grosse maladie liée aux commotions cérébrales, personne n'ira pousser le fauteuil. Voilà. Donc il faut remettre les choses à leur place. Tout à fait. Nous, on est supporters, on a payé nos places. Ils ont de la mémoire, hein, quand même, puisque des clubs des supporters s'appelle les Mammouths, en hommage à ceux des années 90. Je ne fais pas l'avocat, hein, j'entends tout à fait. On reconnaît aussi que tant les Alpins, les Captains, les Mammouths, mettre des couleurs, font parler de Grenoble aussi. Il ne faut pas non plus, voilà, bien sûr, nier toutes ces actions, bien évidemment. Heureusement j'ai conscience qu'ils peuvent être déçus de la situation. Après, c'est normal. Il faut revenir à notre posture de simplement journaliste, consultant, supporter, amoureux du club, passionné, mais remettons ce qu'est un match de rugby dans une vie complète. Voilà, c'est ça. Et se mettre parfois aussi à la place des joueurs pour les avoir vus, hein, chacun. Ils vous ont présenté leurs vœux, évidemment, en début d'émission. Je pense que chacun espère vraiment donner le maximum pour tout le monde, pour tous les Grenoblois, puisque forcément, ils y pensent tous dans un coin de tête à tous ces gens-là en rentrant, en pénétrant sur un stade. Alors, cet entraînement, c'était ici en ce début d'année. Les conditions sont un petit peu plus clémentes que cela ne l'était en fin d'année dernière. Si on s'interroge sur la composition des équipes, on peut se demander, c'est curieux, le 15 type, où est-il passé? On a l'impression qu'avec les compositions, on cherche encore un petit peu le visage du FCG depuis ce match référence de Colomiers, il y a déjà quelques semaines. C'est toujours compliqué. Hein. Les entraîneurs nous avaient confié leur volonté d'amener de la rotation. Hein. C'est vrai que c'est un championnat qui est très dur, qui est long dans la durée. On va rentrer dans cette phase d'hiver. Donc la nécessité d'apporter du turnover
malheureusement pas aidé, on va dire, par les blessures, les nécessités de changement, les chocs, etc., qui demandent un peu de repos. Dans celle de Stéphano, qui est importante, on le dit aussi, ne serait-ce que pour l'état d'esprit, hein, ce capitaine. Je pense que c'est la clé de voûte de cette équipe. Tu le penses aussi. J'apprécie énormément l'homme, le joueur. C'est quelqu'un qui affiche un charisme naturel. Et ça, c'est important. Et quand on perçoit ça, vous le percevez, mais les équipes adverses le perçoivent aussi. Mm-hmm. Et il amène une grande sérénité. Il est capable de mettre tout le monde dans le sens de la marche. Et l'année passée, pour en revenir à Rory Grice, jouait pleinement ce rôle-là sur les trois dernières années. C'est ce numéro 8 qui était capable de prendre le ballon sous la main, de mettre l'équipe dans le sens de la marche. Mm-hmm. Et peut-être c'est ce qui nous manque, entre guillemets, par ce manque de densité, c'est un peu peur que l'adversaire peut avoir de vous. Mm-hmm. Et puis cette confiance donnée à l'ensemble des joueurs quand vous jouez avec des mecs comme ça, vous êtes moins craint. Mm-hmm. Mais ça bosse. Alors ça bosse très dur, et notamment à la mêlée, avec un entraîneur qui donne beaucoup de voix aussi, hein, Dewald Senecal, qui a beaucoup, beaucoup orchestré cette séquence ici ce mercredi. La mêlée qui a déçu ces dernières semaines. On l'a dit, hein, c'est la clé de voûte de ce championnat de Pro D2, une grosse mêlée. On ne peut pas passer à travers cette phase-là. Moi, je me rappelle de quelques mots que j'avais eus avec Jean-Marc Lhermet, qui à Clermont-Ferrand disait, mais nous, les piliers sont là pour pousser. Mm-hmm. Bien, oui, on fait du jeu, etc. Si il va mettre 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans à faire une passe, jouer un 2 contre 1, ce n'est pas ce qu'on va lui demander. Il faut qu'il sache le faire à un moment donné. Il faut qu'il réussisse ce type de situation. Mais c'est quoi sa tâche première? Sa tâche première, c'est d'assurer la stabilité en mêlée pour qu'on ait une bonne base de conquête. Donc c'est très important d'avoir des piliers mobiles, mais il faut qu'ils assurent leur tâche numéro 1, qui est la stabilité. Même si ce n'est pas incriminer une personne ou l'autre, c'est un état d'esprit, c'est une force collective, c'est beaucoup de temps passé à l'entraînement, c'est beaucoup de temps de souffrance. Et quand je disais que je n'irais pas me mettre au milieu de cette mêlée, je n'irais pas me mettre au milieu de cette mêlée. Mmh. C'est qu'il faut avoir vécu cette situation pour avoir cette référence et se dire qu'elle est tellement douloureuse qu'on n'a pas envie de la vivre. Voilà. Les joueurs, même à l'entraînement aujourd'hui, j'ai eu cette situation-là à l'entraînement d'envoyer quelqu'un à l'hôpital et qui a arrêté sa carrière de rugby. Voilà. L'ancien talonneur du FCG, ces images-là me sont encore dans la tête. Voilà. Ça veut dire que même à l'entraînement, on a ce risque-là. On peut s'en souvenir? Oui, bien sûr. Non, mais le nom, on peut savoir. Ah oui, pas Kenan. J'ai oublié son nom de... L'ancien talonneur. Famille. Ah ben non, pas Kenan. D'ailleurs, non, on le salue, Kenan, hein, Kenan, qui a joué à Nevers, d'ailleurs. Ah, le Georgien. Qui revient. Bref, du coup, je te laisse réfléchir deux petites secondes en vous rappelant bien sûr encore une fois qu'il faut remplir les tribunes du Stade des Alpes ce vendredi à 20h, puisque le public est important, on le disait avec Guillaume, bien sûr, l'ambiance est importante, tout ça, ça joue beaucoup. Les joueurs, en plus, remercient souvent leur public à la fin du match. Donc ce premier match de l'année aussi, c'est un signe fort qu'il faut envoyer à toutes les équipes et montrer une équipe qui veut remonter, en tout cas rester parmi les 5. Il faut venir partager, mais pas vivre par procuration les événements. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Venez communier avec l'ensemble des supporters, cette ambiance générale de ce stade qui est magnifique. Mm-hmm. On espère tous et on veut tous avoir du bon jeu, on veut avoir des résultats, on veut avoir la gagne. Stéphane Glas l'a dit, on est quatrième au classement, il n'y a rien de dramatique. C'est un championnat qui va être serré, donc ce n'est pas la peine de se faire des films, d'y mettre beaucoup d'espoir. On n'a pas l'équipe, on n'a pas eu la construction d'une équipe comme avait eu Lyon dans le passé, avec une starisation et un niveau d'équipe de Pro D2 supérieur à celle qu'ils avaient l'année d'avant en top 14. Nous, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est notre philosophie. Soyons patients, laissons le temps à ces jeunes de finir de se former. Il faut les remercier pour ce qu'ils font actuellement. Ce n'est pas simple. Ils se mettent au diapason. Il y a des risques, on l'a vu. Je redis le match de Clermont. Où Azema avait ces mots de dire que c'est un joueur qui était préparé, qui avait des performances en musculation qui nous ont permis et qui nous ont fait décider de le mettre sur la feuille de match. Néanmoins, quand on voit ce qui s'y passe, on s'interroge. Ouais. En tout cas, je te remercie. Les mains sur le buzzer, ça ne fonctionne toujours pas. Alors pourquoi pas proposer au public de bien vouloir te rafraîchir la mémoire. Et si vous avez le nom de ce talonneur, je le donnerai la semaine prochaine. Malheureusement, qui a donc terminé sa carrière à l'entraînement, envoyez votre réponse sur notre page Facebook et vous aurez le droit d'assister à notre émission une très prochaine fois. Comme ça, on fait comme ça. Ça marche. Allez, merci Guillaume d'avoir été avec nous. On te retrouve au stade
des Alpes, bien sûr, vendredi soir. Et puis encore d'ici à la fin de cette saison dans Terre de Rugby. Merci encore à toi et merci à vous de votre fidélité. À la semaine prochaine. Terre de Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de Rugby avec Grenoble Alpes Métropole.